Chris Coleman, né le 20 mars 1977 dans le comté de Monroe, Illinois, est le plus jeune des frères et sœurs de la famille Coleman. Élevé par des parents pieux qui ont inculqué à leurs enfants de fortes convictions religieuses, Chris et ses frères ont été profondément immergés dans la vie de l'Église dès leur plus jeune âge. Caractérisé comme étant plus calme et plus sensible que ses frères et sœurs, Chris incarne les valeurs qui lui ont été transmises par ses parents. Malgré sa réticence à participer aux activités de chasse avec son père et ses frères, Chris a surpris sa famille en s'engageant dans les marines immédiatement après le lycée. Ayant opté pour une carrière dans la police militaire, il est devenu un maître-chien expérimenté. C'est au cours d'un stage de dressage de chiens en 1997 que Chris a rencontré sa future épouse, Sherry Weiss. Sherry, née le 3 juillet 1977, a grandi dans un foyer catholique. Malgré leurs différences d'origine, Chris et Sherry ont rapidement tissé des liens étroits et ont commencé à se fréquenter. Chris a choisi de cacher sa relation avec Sherry à ses parents, peut-être en raison de la disparité de leurs croyances religieuses, Sherry étant catholique et non chrétienne ou évangéliste comme Chris. En août 1977, Chris a amené Sherry chez ses parents, la présentant comme une simple amie à qui il faisait faire un tour. Il a caché la vérité sur leur relation amoureuse. Ce n'est que plus tard que Chris a finalement révélé à ses parents que Sherry et lui s'étaient mariés. L'annonce soudaine du mariage de Chris avec Sherry a pris ses parents au dépourvu, car ils n'étaient pas au courant de leur relation. Peu après, Chris a révélé que Sherry était enceinte, indiquant que leur décision de se marier avait été motivée par sa grossesse. Malgré la conversion de Sherry à l'évangélisme et l'abandon de sa foi catholique, les parents de Chris ne l'ont jamais complètement accepté. Malgré cela, Sherry et Chris ont accueilli leur premier enfant, Garrett Coleman, en avril 1998. 2 ans plus tard, en 2000, ils ont eu un autre fils prénommé Gavin. Il convient de noter que Sherry, comme Chris, était également militaire à l'époque où ils se sont rencontrés. Elle servait dans l'armée de l'air, et c'est là qu'ils se sont croisés pour la première fois. Leur rencontre ressemblait à un exercice militaire, ce qui a incité Sherry et Chris à quitter le service militaire pour donner la priorité à leurs devoirs parentaux. Sherry a choisi de devenir femme au foyer pour s'occuper activement de leurs enfants, tandis que Chris cherchait un emploi permanent. Chris, profondément attaché à sa foi depuis l'enfance, assistait fréquemment aux conférences de Joyce Meyer avec sa famille. Toute personne familière des milieux religieux, en particulier des communautés évangéliques ou chrétiennes, reconnaît Joyce Meyer. La participation fréquente de la famille aux conférences de Joyce a permis de nouer des liens personnels avec elle. Lorsque Chris, à la recherche d'un emploi après son service militaire, a découvert un poste vacant au sein du groupe de sécurité de Joyce Meyer, celle-ci le lui a proposé. Cette opportunité lui a permis d'accéder à un rôle de sécurité au sein de l'organisation de Joyce Meyer. Louis, Chris et Sherry ont choisi de s'installer à Columbia, dans l'Illinois, une région voisine, pour des raisons de commodité. Tout en résidant de l'autre côté de la frontière, dans l'Illinois, Chris gagnait un revenu annuel supérieur à 100 000 $, ce qui leur assurait une grande stabilité financière. Sherry a réussi sans peine à rester au foyer pendant que Chris travaillait, ce qui a permis à leur famille de mener une vie confortable. Leurs fils, Garrett et Gavin, s'épanouissent, participent activement à diverses activités, notamment sportives, et font preuve de charme et de sociabilité. Sherry a trouvé une immense joie dans la maternité, embrassant de tout cœur son rôle et assistant avec enthousiasme à tous les événements de ses enfants, les comblant d'amour et d'attention. Cependant, les différences de style parental sont devenues une source de tension entre Sherry et Chris. Sherry avait tendance à adopter une approche plus détendue, tandis que Chris penchait pour une position plus autoritaire, fixant des attentes élevées pour leurs enfants et appliquant des mesures disciplinaires plus strictes. Leurs styles parentaux différents et leurs désaccords financiers ont été à l'origine de nombreuses disputes au sein du couple. Chris n'appréciait pas du tout les habitudes de Sherry en matière de dépenses, se sentant frustré de devoir conduire une vieille voiture alors qu'elle s'adonnait à ses achats. Pendant cette période, Chris a connu des changements. Il a adopté une apparence plus dure en se rasant la tête,
attribuant cela à un désir de paraître plus imposant, ce qui a déstabilisé Sherry. La situation s'est aggravée en 2008, lorsque Sherry a commencé à soupçonner Chris de le tromper avec Tara Lintz, une amie de lycée. Certaines connaissances pensaient que Tara était jalouse de Sherry parce que cette dernière avait grandi dans un environnement stable et aimant, ce qui n'était pas le cas de Tara. Sherry elle-même est devenue la source de connaissances entre Tara et Chris, car c'est elle qui les a présentés, et dès les premières minutes, ils sont devenus de bons amis. Les fréquents voyages d'affaires de Chris avec son patron ont détérioré leur relation, car il était souvent absent de la maison. C'est au cours d'un voyage d'affaires de Chris en Floride, où vivait Tara, qu'ils ont commencé leur idylle. Le comportement de Chris change immédiatement. Auparavant, il buvait rarement et ne proférait pas de grossièreté. Mais ses interactions avec Tara ont semblé changer ses habitudes. Chris a commencé à boire plus souvent et à dire des grossièretés, ce qui a dérangé Sherry. Sherry est de plus en plus consciente que quelque chose ne va pas dans leur relation. Comme toute épouse, Sherry a compris et ressenti la trahison de Chris. Elle fait part de ses soupçons à un ami, lui montre une photo de Tara et exprime ses doutes quant à la liaison de Chris. Même si elle était consciente de la situation, Sherry ne voulait pas mettre fin à son mariage, essayant de préserver l'unité de la famille pour le bien de ses enfants. Elle a déployé des efforts considérables pour essayer de sauver sa relation avec Chris. Cependant, le comportement de Chris a commencé à changer et il est devenu évident qu'il ne traiterait pas Sherry correctement. Le divorce a causé un grave problème dans la communauté religieuse à laquelle ils appartenaient. Dans ces communautés religieuses, le mariage est considéré comme un lien sacré, un pacte avec Dieu, et ces communautés religieuses ne soutiennent pas le divorce et le condamnent même. Sherry a fait de son mieux pour sauver le mariage, mais l'attitude de Chris et son désir de divorcer ont eu des conséquences désastreuses. Comme nous l'avons dit précédemment, les avertissements religieux étaient contre le divorce, de sorte que Chris était particulièrement inquiet des conséquences pour son travail avec un patron religieux et pensait qu'un divorce d'avec Sherry pourrait compromettre son emploi. Il pensait toutefois que si Sherry demandait le divorce en premier, il pourrait conserver son emploi en jouant le rôle de la victime qui a fait de son mieux pour sauver le mariage. En conséquence, Chris a commencé à maltraiter délibérément Sherry en se montrant grossier et cruel avec elle. Malgré les difficultés, Sherry est restée fermement déterminée à sauver leur relation et leur mariage tout en essayant de préserver l'unité de la famille pour ses enfants. En 2008, les problèmes du couple se sont sérieusement aggravés lorsque Chris a commencé à recevoir des courriels de menaces adressés non seulement à lui, mais aussi à sa femme et à ses enfants. 6 courriels contenaient des messages de menaces. Malgré la gravité des menaces, celles-ci ne visaient que Chris et aucun autre membre de son équipe de sécurité n'a reçu de lettres similaires. Plus tard, des messages de menaces sont apparus dans la boîte aux lettres de la famille, près de leur domicile. Conscient de la gravité de la situation, il s'est adressé à un voisin, qui s'est avéré être un détective, et a installé une caméra vidéo dirigée vers leur boîte aux lettres dans l'espoir d'identifier le coupable. Cependant, une fois la caméra en place, les menaces ont soudainement cessé. Le 5 mai 2009, vers 6h43 du matin, Chris contacte son voisin, le détective Justin Barlow, pour lui faire part de son inquiétude de ne pas pouvoir joindre Sherry et lui demander de vérifier le bien-être de sa famille. Justin réagit rapidement en s'habillant et en se rendant à la résidence des Coleman. Bien que Chris ne se trouve qu'à quelques minutes de chez lui, il souhaite s'assurer du bien-être de sa famille car il n'a pas réussi à joindre Sherry malgré ses tentatives de communication par texto. En entrant dans la maison pour effectuer le contrôle, Justin détecte une forte odeur de peinture en aérosol, signalant que quelque chose ne va pas. En entrant dans la maison, Justin est confronté à un spectacle effrayant. Des graffitis ont été peints à la bombe sur les murs de presque toutes les pièces, une découverte profondément troublante. Le silence total qui régnait dans la maison ajoutait à l'inquiétude. En s'aventurant dans la maison, Justin a fait la tragique découverte des corps sans vie de Sherry, Gavin et Garrett, tous victimes de strangulation. Chris est arrivé chez lui peu après la sinistre découverte, accueilli par une nuée de policiers et d'intervenants d'urgence. Au lieu de se précipiter à l'intérieur pour voir sa famille,
il s'est dirigé vers le porche, où il s'est assis la tête entre les mains. Le comportement de Chris a suscité l'inquiétude des secouristes, ce qui a incité l'un d'entre eux à le prendre à part et à lui offrir son soutien à l'arrière d'une ambulance. En présence de la police, l'attention s'est portée sur l'état physique de Chris, notamment sur les griffures qu'il portait sur les bras. Interrogé sur leur origine, Chris a fait preuve d'une soudaine agressivité, frappant le brancard avant d'attribuer les griffures à ce geste, alors qu'il ne l'avait jamais fait auparavant. Ces observations ont permis à Chris d'être interrogé dans le cadre de l'enquête sur la mort tragique de sa famille. Au cours de l'entretien, Chris a raconté sa routine matinale, indiquant qu'il était parti à la salle de sport vers 5h45. Il a expliqué que pendant qu'il s'entraînait, il avait envoyé plusieurs textos à Sherry pour s'enquérir de sa routine matinale et de celle des enfants. D'abord indifférent à l'absence de réponse de la jeune femme, il a supposé qu'elle était peut-être occupée sous la douche. Cependant, comme le temps passait sans réponse, son inquiétude s'intensifiait, car il était inhabituel que Sherry ignore ses messages. Il a exprimé son anxiété en raison des courriels menaçants qu'il avait reçus, ce qui l'a amené à craindre pour la sécurité de Sherry et des enfants. Cette inquiétude l'a incité à demander au voisin détective de procéder à un contrôle de bien-être. Les inspecteurs qui ont enquêté sur les lieux ont noté l'utilisation de peinture en aérosol rouge pomme d'amour pour les graffitis dans la maison et ont demandé à Chris s'il avait de la peinture de ce type à la maison, ce qu'il a nié. Les autopsies de Sherry, Garrett et Gavin ont révélé des résultats significatifs. Les conclusions du médecin légiste contredisent la chronologie de Chris, indiquant que les décès de Gavin, Garrett et Sherry se sont probablement produits vers 3h du matin, et non à 6h comme cela avait été initialement suggéré. Des facteurs tels que la rigidité cadavérique et la couleur de leur peau indiquent que le décès est survenu plus tôt. Interrogé sur cette incohérence, Chris maintient que Sherry était en vie lorsqu'il est parti à la salle de sport à 5h45. Cependant, son absence à la cérémonie de commémoration de Sherry, Garrett et Gavin a semblé étrange aux enquêteurs. De plus, après la cérémonie, des personnes ont commencé à déposer des fleurs, des ours en peluche et des cartes devant la maison des Coleman en souvenir des victimes, ce qui a renforcé l'intrigue autour de l'affaire. Les actions de Chris après la cérémonie commémorative, en particulier l'enlèvement et l'élimination des hommages laissés devant sa maison, ont éveillé les soupçons des enquêteurs, compte tenu de la tragédie récente qui s'est produite à cet endroit. De plus, la découverte d'un ticket de caisse pour de la peinture en aérosol de la même couleur que celle utilisée pour les graffitis à l'intérieur de la maison a directement impliqué Chris. Le reçu, lié à son achat par carte de crédit, contredit son affirmation précédente selon laquelle il n'y avait pas de peinture en aérosol dans la maison. Lorsqu'il a été confronté à ces preuves, Chris a nié avoir eu connaissance de la peinture en aérosol. Les enquêteurs l'ont également interrogé sur sa liaison avec Tara, pénétrant dans sa vie privée afin de découvrir d'éventuels motifs ou liens avec le crime. Il a informé les enquêteurs que Tara et lui étaient des amis proches, niant toute relation amoureuse entre eux. Cependant, à son insu, les enquêteurs de Floride interrogeaient déjà Tara qui a tout avoué. Tara révèle que Chris s'apprêtait à demander le divorce à Sherry. Le jour de la mort de Tara, leur relation a transcendé la simple infidélité. Tara et Chris se sont déclarés amoureux l'un de l'autre et envisageaient de se marier. Tara avait commencé à chercher des maisons dans la région de Saint-Louis pour qu'ils puissent vivre ensemble. Ils discutaient même de noms de bébés potentiels et avaient échangé des bagues de promesses. Chris et Sherry avaient organisé des vacances à Disney, mais derrière le dos de Tara, Chris avait annulé leur plan et réservé une croisière avec Tara à la place, prévue dans un avenir proche. Il ne s'agissait pas d'une simple indiscrétion ou d'une amitié, comme Chris a tenté de le faire croire. Il s'agissait d'une relation très engagée, Chris ayant la ferme intention de quitter Sherry pour s'unir à Tara. La révélation la plus choquante de cette enquête est que la police a retracé l'adresse IP des courriels menaçants que Chris avait prétendu avoir reçus avant les événements, et il s'est avéré qu'elle correspondait à l'adresse IP de Chris lui-même. Cela signifie que Chris s'envoyait ses menaces à lui-même depuis le début. Il a été arrêté le 19 mai 2005, quelques jours seulement après les meurtres,
et a toujours clamé son innocence avec véhémence. Christopher Coleman a été jugé fin avril 2011. Tara Lintz, sa maîtresse, et une ancienne amie de lycée de sa femme chérie, a été le témoin clé. Tara a raconté leur échange de bagues de promesses, discuté de leur projet de mariage et témoigné de photos osées qu'ils avaient partagées. La pathologiste a déclaré qu'elle ne pouvait pas déterminer avec certitude l'heure de la mort, mais a suggéré qu'elle était probablement survenue entre 3 et 5 heures du matin en raison de la température du foie. Le docteur Michael Baden, pathologiste de renom, a confirmé ce calendrier, estimant l'heure de la mort à environ 3 heures du matin. Même Joyce Meyer a été appelée à la barre, suggérant que Chris aurait pu subir des répercussions professionnelles si sa liaison ou ses projets de divorce avaient été connus. L'accusation a présenté un récit convaincant. Christopher Coleman a eu une liaison avec Tara Lintz, une femme pleine de vie, parce qu'il regrettait son mariage précipité avec Sherry et qu'il souhaitait une nouvelle vie avec Tara. Il aurait envoyé une série de messages menaçants à lui-même peu de temps après le début de la liaison. Il a informé Tara de son intention de signifier à Sherry les papiers du divorce le jour des meurtres tragiques de Sherry et de leur fils. L'accusation a soutenu que Chris avait prémédité les meurtres pendant des mois, achetant de la peinture en aérosol à l'avance. Au petit matin du 5 mai 2009, il aurait étranglé sa femme et ses enfants pendant qu'ils dormaient, puis aurait peint des messages à la bombe sur les murs et organisé la scène pour faire croire à un cambriolage. Il a ensuite suivi sa routine d'entraînement, appelant Sherry peu après avoir quitté la maison, soi-disant pour établir un alibi. En prenant délibérément un chemin plus long pour rentrer chez lui, il s'est assuré que les autorités découvriraient les corps avant son retour. Interrogé sur les marques qu'il portait sur les articulations, il aurait commencé à frapper un brancard pour expliquer les blessures. Chris Coleman a été reconnu coupable des 3 chefs d'accusation de meurtre au premier degré 2 ans après les événements tragiques, en mai 2011. Il a été condamné à 3 peines de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, la peine de mort ayant été abolie dans l'Illinois le 1er juillet de la même année. Malgré sa condamnation, les parents de Chris sont restés fermement convaincus de son innocence et l'ont défendu vigoureusement. Le père de Chris a attribué la liaison de ce dernier au manque présumé d'affection et d'éloge de sa femme chérie, affirmant que l'incapacité supposée de chérie à remplir ses devoirs conjugaux avait poussé Chris dans les bras de sa maîtresse, Tara. Condamné à 3 peines de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, Chris a fait appel, sans succès dans un premier temps. Cependant, en mars 2019, il a obtenu un nouveau procès en raison d'une représentation juridique inadéquate. Cependant, cette lueur d'espoir a été de courte durée, car en juillet 2020, un juge a rejeté la possibilité d'un nouveau procès.